peu à peu, l'idée m'est venue de travailler avec des formes de taille relativement petites. Donc le prétexte, là, c'est le fruit. Ça parle de plein de formes d'identité, de possibles formes existantes. Une pomme ne ressemble pas nécessairement à une pomme, etc. Donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup. C'était un travail quand même qui était assez long à réaliser. Il y avait aussi un travail de couleur et de matière. Il n'y a pas de couleur en fait qu'on a apporté de l'extérieur de la manufacture. Et ensuite, bah, c'est le travail du parachèvement. Ça comprend la taille, ça comprend le satinage ou le polissage. J'ai découvert toute une collection en fait de plaques de gravure qui existe depuis 1890. Je crois qu'il y a 20 000 dessins. Je suis allée piocher des motifs qui ont été gravés aussi sur certains fruits. Les fruits, c'est comme des objets prétextes qui recueillent le patrimoine, l'histoire de cette manufacture, avec tous ses savoir-faire.